Beaucoup aussi de joueurs de clavier, puisque M. Fressange ne faisait pas que de l'accordéon. Il était aussi professeur de piano, de clavier. Il a eu aussi des élèves, à part l'accordéon, le clavier, il a eu aussi la guitare. Un peu de guitare aussi. Donc voilà, on va faire des guitaristes, anciens élèves, des accordéonistes et des pianistes. En locaux, notamment, le père à tous de ces musiciens, c'est notre ami Alterobetti qui est déjà ici avec nous et qui sera là toute cette journée. Voilà, merci à lui. Philippe Fessac sera également là, depuis quand dans la soirée. Alors on va commencer tout de suite avec un premier ancien élève, Sierg. Voilà. Alors Christophe Sierg était à l'époque à Rialzentrum. Maintenant, il est un petit peu plus loin, en Vastorès, là-bas, il s'est installé. Il a pris des cours d'accordéon avec Georges Dessange, c'était à Rialzentrum, donc. Christophe a fait combien d'années d'accordéon avec Georges? 7-8 ans, j'ai dû en faire, à peu près. Voilà, 7-8 ans avec Georges, puis après, ben, il est parti. Thank you.
bien sûr, et ça a duré, ça a duré environ 5 ans, c'est ça? Plus que ça. Une quinzaine d'années, voilà, c'est ça. Et Didier continue, toujours, là, il s'est... Maintenant, il est parti un petit peu moins d'auvergne, mais bon, pas si loin, il revient de temps en temps, il est dans la région de Toulouse, là-bas. Et continue à jouer de l'accordéon, bien sûr. Répondu à l'invitation pour faire partie de cette petite fête bien sympathique. Alors ça a été organisé tout simplement. S'il y a des revendications à faire, ben vous venez nous le dire, on fait le maximum. Mais bon, chef, directeur des accordéons homogènes. Et ce sont eux qui ont assuré la fluidité de ce gala. On les remercie. Vous voyez là-haut, au fond, là-bas, vous avez la magnifique affiche. Il est interdit de jouer sur autre chose qu'un accordéon homogène. Vous n'hésitez pas, tout le monde sur des homogènes. Mais alors, bien sûr, c'est une plaisanterie. Mais dans la région, c'est vrai que les accordéons homogènes, ce sont ceux qui dominent. Mais c'est tout à fait normal. Donc, si vous avez envie de jouer d'accordéon et si vous avez besoin d'un instrument, vous rendez à Tulle, à la fabrique. C'est notre ami Jérôme Maz, qu'on a connu aussi tout petit. Et maintenant, il a grandi, bien sûr. Voilà, mais comme il veut pas que. Thank you.
au clavier. Ce sont deux sœurs, et ce sont des régionales puisqu'elles sont ici de Mauriac. Certains doivent les connaître bien sûr. Il s'agit de Anne-Sophie et de Marie-Laure Serre. On peut déjà les applaudir. Alors elles ont tout le train toutes les deux. Quand on demande à une, elle dit moi je. C'est même ma frangine, ça va bien, mais c'est moi qui ai le trac. Et puis l'autre a dit pareil. Alors à mon avis, c'est. Et toutes les deux, elles ont un peu de trac, mais ça va se faire.